Il faut soit ton quitte. Qu'est-ce qu'on montre là? On montre quoi? On montre quoi là? Alors comprenez, regardez. Ils sont venus de partout pour accueillir le Saint-Père. Voilà. Kinshasa plus belle. Vous voulez voir le pape? Attendez. La voiture du pape est là.
Batubakangami. Regardez. Alors les gens se sont rassemblés selon des points. Ah non, moi je suis devant, vous ne pouvez pas me voir. C'est la voiture avant les papes. Vous ne pouvez pas me voir maintenant. Mais vous voyez les papes. Je suis avec la personne qui filme. Mettez. Il a dit avancer. Mettez la vidéo. Image. Mettez la vidéo. Ils sont venus pour accueillir le Saint-Père, des voitures stationnées le long de là. On est dans le cortège. Oui. Donc, ça veut dire que bonjour, bisous. Alors, c'est-à-dire que, comme vous savez, il y a des coins, Kinshasa, Nyasuka, devant l'aéroport, les gens mobilisés ici. Et là, maintenant, on entame la partie où on voit les Kinois, les populations qui sont venus accueillir le Saint-Père tout au long de la route. Ils sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil chaleureux au Saint-Père. Regardez Kinshasa, comment la ville est belle, la ville est calme, comment la route est bien faite. Sécurité assurée, accueil assuré, accueil délirant. Et vous allez le voir tout au long qu'on sait accueillir comme on a l'habitude de le faire ici en République démocratique du Congo et principalement à Kinshasa. Là, je vais vous montrer le Saint-Père. Regardez là-bas. Il y a Kota Mutunda Mwe. Non, s'il te plaît. Ah, bon, on bloque en photo. Oh, la lion se retrouve en photo. S'il te plaît.
cette mobilisation-là? En fait, ces images démontrent qu'on ne peut pas rester seulement dans la sphère religieuse. C'est une autre dimension. Le pape, comme on le sait, c'est parmi les trois personnalités les plus influentes au monde et que son envergure va au-delà de la seule Église catholique. Donc c'est un citoyen du monde. Le pape n'a pas de pays, il n'a pas de passeport. Il n'a pas de passeport, donc quand il vient en République démocratique du Congo, il devient automatiquement congolais. Et il a choisi sa quatrième visite pontificale à la République démocratique du Congo, lui qui est pratiquement au seuil de son pontificat, malgré sa condition physique, il a tenu à être là. Voilà pourquoi le peuple congolais ne fait que l'en remercier. Et voilà, avec toute la météo qu'on a eue ces jours-ci, c'est une grâce exceptionnelle aujourd'hui d'avoir une journée normale, ordinaire, le ciel est dégagé. Rarement on a vu Kinshasa comme ça. Quand on accueille des personnalités. L'événement est sorti du seul cadre catholique, du seul cadre religieux pour être un événement national. Donc pour recevoir une notabilité de ces gens, la place de la République démocratique du Congo au sein de l'Église catholique. Comme vous le savez, en fait, l'Église de la RDC est le poumon du Vatican. Vous savez, c'est la seule Église qui a donné, qui a imposé, qui a fait accepter son rituel, ce qu'on appelle le rite Zaïrois de la messe. Et ce rite aujourd'hui est pratiquement universel. Si vous allez dans toute l'Afrique, on célèbre la messe dans les... Et puis tout à petit, ce rite a même séduit le Vatican, parce que même au sein de la basilique Saint-Pierre, maintenant, il y a des messes, simplement en rite zaïrois. Et demain, le Saint-Père va célébrer une messe en rite zaïrois, on le verra. Et donc, c'est toute la place de l'Église de la République démocratique du Congo à travers le monde. Voilà les gens qui accourent. Alors, c'est une marée humaine impressionnante. Il y a le monde parce qu'on est sur le saut du mouton. Voilà. Malgré le fait que nous sommes sur le saut du mouton, mais il y a quand même des gens qui ont drapé en fait cette architecture métallique entre pouvoir sa sainteté, le pape François qui est finalement arrivé à Kinshasa. Alors à ce stade, eh bien, nous ne pouvons pas voir cette marée humaine qui va ressurgir bientôt. Hein. Oui, quelque part là-bas. Voilà. À la descente, on verra. Et le temps pour moi, vous comprenez que je ne sais pas faire. Waouh, merci. Oh là là. Kinshasa sait recevoir, mon Dieu. Kinshasa sait accueillir, mon Dieu.
Je vous retrouve tout à l'heure.